Allô, moi c'est Olga, j'ai 15 ans. Je suis dans une vraiment belle ruelle. J'ai parti dormir dans ma ville parce que j'aimerais ça avoir le pouvoir de changer le monde. Puis je sais que je vais pouvoir changer. Et je m'appelle Tessa, j'ai 16 ans. Maintenant, on est dans une ruelle. Puis je participe à bien dans ma ville pour en apprendre plus sur la sécurité. Où es-tu en ce moment? Dans une ruelle. Colorée. Et pourquoi participes-tu à Bien dans ma vie? Parce que c'est instructif et que c'est très amusant. Et je suis pour la sécurité des femmes. Pourquoi participes-tu à Bien dans ma vie? Parce que c'est fun. Je participe au projet surtout parce qu'on peut créer puis changer les choses un peu. Au moins donner notre point de vue sur certaines choses. Alors ça, je trouve ça intéressant. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 15 ans. On est dans une ruelle en face de la grande bibliothèque. Et je participe à Bien dans ma ville parce que je veux changer des choses. Moi, c'est Virginie. J'ai 16 ans, effectivement. Je suis présentement dans une ruelle devant la grande bibliothèque là-bas. C'est très joli ici. On a des belles chaises, c'est très amusant. Et je participe à Bien dans ma ville parce que c'est un projet fantastique qui va permettre de changer le monde, j'en suis certaine. Et j'aime m'impliquer dans les choses importantes. Mais là, on est au parc Laurier, puis on l'a choisi parce que c'est un endroit éclairé où il y a des enfants, donc on se sent en sécurité. Les enfants ne jugent pas. C'est ça. Des parcs où c'est plus vaste, avec beaucoup de verdure, ça c'est le fun. Genre à côté de Face, est-ce que ce serait cool un parc comme ça? Ça serait vraiment bien, genre vraiment avec de l'air. Parce qu'on a juste le campus, mais c'est pour les adultes. Mais on sait pas qu'à Face, il y a des jeunes, ça serait fun d'avoir de l'air. Les jeunes se sentent en sécurité avec les adolescents, et les vieux, les grands. Et les grands se sentent en sécurité avec les jeunes. Nous, par exemple, moi je trouve que je me sens en sécurité avec les jeunes parce que puisque je suis responsable de... Quand je suis avec eux, je me sens responsable d'eux. Donc j'oublie d'avoir peur et je m'occupe d'eux. Donc je me sens en sécurité avec des jeunes. Donc c'est ça. Donc les itinérants sont des gens comme vous et moi et ils ont besoin de beaucoup d'amour. On pourrait arrêter de faire des stéréotypes. C'est des gens comme nous, alors on n'a pas besoin de les juger. L'hiver, il fait vraiment froid comme présentement. Nous tous, nous avons très très froid. Et j'arrive pas à imaginer comment ils pourraient dormir dehors. Nous, quand on dort, on est à l'intérieur, il fait chaud, mais eux, ils ont froid. Comme ça. Il y a déjà beaucoup de ressources pour les aider, comme la maison Brenois Labre, on a été visité plus tôt. Sauf que les petits itinérants ont vraiment besoin de notre aide à nous. Même des petits gestes, ça peut aider. Par exemple, juste leur dire bonjour de temps en temps ou leur donner des sous, de la nourriture, même une couverture, ça peut toujours les aider. On se sent en sécurité quand... Trouver de l'aide facilement! Quand un endroit est éclairé! Quand un endroit est achalandé, quand c'est propre,
quand c'est coloré, quand c'est vivant.